Chers frères et sœurs, nous avions parlé la dernière fois des confusions que Shaitan distille aux êtres humains afin de les empêcher de s'accrocher au savoir ou afin de rejeter un savoir qui est véridique de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre ruse qu'utilise Shaitan afin de mettre un barrage entre l'acquisition du savoir et la traduction du savoir en une pratique. Il s'agit de pousser les êtres humains à ne pas respecter ce qu'ils ont appris, à pousser les êtres humains à ne pas traduire la science et la connaissance en une pratique, à ne pas s'imprégner des choses que nous avons apprises. Et bien entendu, cette ruse-là ne touche pas que le commun des musulmans, mais elle touche même ceux qui ont acquis une grande part du savoir. Ça peut toucher les prêcheurs, ça peut toucher les prédicateurs, ça peut toucher même les grands savants. Et chacun, Shaitan, adapte sa ruse pour qu'il le fasse tomber dans ce piège. Nous connaissons tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Tirmidhi al-Darimi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Au jour de la résurrection, aucun serviteur ne bougera de place avant qu'on ne l'ait interrogé au sujet de quatre choses. Au sujet de sa vie, à quoi l'a-t-il consacré? De son savoir, qu'en a-t-il fait? De ses biens, comment il les a acquis et comment il les a dépensés? Et de son corps, à quoi l'a-t-il fatigué? Ces quatre choses, nous allons être questionnés dessus tous, et personne ne peut éviter ce questionnement. Et le questionnement nécessite une réponse. Et il est très difficile que quelqu'un puisse trouver une excuse devant Allah Azza wa Jalla pour échapper à la sentence ou échapper au jugement. Personne parmi les musulmans ne peut venir le jour du jugement et dire « Je n'étais pas au courant que ceci était haram ou que ceci était une obligation. Pourquoi » Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis fidèlement ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné de transmettre. Et il n'a ménagé aucun effort pour montrer ces choses-là d'une manière explicite et facile et accessible à tout le monde. Parce que Allah Azza wa Jalla a mis une procédure qui ne peut pas laisser un musulman loin de la source du savoir. Les mosquées sont là justement comme une source de savoir. On s'y réfugie pour apprendre sa religion. Les khotab al-jumu'a qui sont obligatoires sont là comme une source de savoir à travers lesquelles on peut puiser les informations et les connaissances qui sont obligatoires pour comprendre comment mener sa religiosité sur cette terre. Les savants, Allah Azza wa Jalla a fait de sorte que dans chaque ville, dans chaque contrée, il y ait des gens qui ont un certain bagage scientifique. Beaucoup ou peu, mais en tout cas, ils ont assez de bagages pour pouvoir répondre à tous ceux qui vont les solliciter. Donc le jour du jugement, personne ne peut dire « j'étais ignorant de cette affaire, je ne savais pas ça, c'est pour ça que je n'ai rien fait ». Non, nul n'est censé ignorer les obligations religieuses. Exactement qu'avec la loi terrestre, nul n'est censé ignorer la loi. Et tu ne peux pas venir devant un juge qui t'a mis une amende sur un excès de vitesse par exemple, et dire ben, « j'étais pas au courant que cette route était limitée à temps ou à temps ». Non, parce que l'État a bien fait son travail en mettant un signalement explicite, très clair. Celui qui n'a pas vu le signalement parce qu'il était préoccupé par le téléphone ou parce qu'il a eu du soleil sur le visage, c'est son problème. C'est pas le problème du législateur. Et il en est de même pour la religion musulmane. Allah Azza wa Jalla nous a transmis certains décrets, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a diffusés parmi les musulmans et a fait de sorte que cette diffusion continue dans le temps. Allah Azza wa Jalla a donné aux êtres humains des héritiers de ces prophètes qui vont transmettre ces informations. Il a mis les mosquées, il a mis les prêches du vendredi,
il a mis sur terre des savants auxquels on peut se rendre à chaque fois qu'on a besoin d'apprendre sa religion. Donc les choses qui sont obligatoires et les choses sur lesquelles nous allons être questionnés le jour du jugement sont des choses qu'on n'est pas censé, qu'on n'est pas censé en tant que musulman ignorer. Et si on les a ignorées, c'est que la défaillance vient de nous. C'est qu'on n'a pas œuvré comme il le faut, qu'on n'a pas déployé un certain effort afin d'acquérir ces connaissances. Donc tout ça c'est pour dire, chacun de nous sera jugé sur une partie du savoir qu'il a appris ou qu'il était censé apprendre. Et il sera jugé en conséquence. Chers frères et sœurs, Shaitan, justement pour empêcher le croyant de traduire son savoir en une pratique, il va mobiliser les plaisirs, il va mobiliser les désirs en lui, il va mobiliser son instinct afin qu'il délaisse le savoir, afin qu'il ne traduise pas son savoir en une pratique, afin qu'il ne prenne pas en compte tout ce qu'il a appris dans sa pratique religieuse ou sa pratique mondaine quotidienne. Et c'est ainsi justement qu'il tombe dans les écarts. Et shahawat, ces plaisirs-là ou ces désirs, sont multiples et variés, parmi lesquels il y a shahawat qui ont un rapport avec la volonté de thésauriser l'argent. Il y a des gens qui sont aveuglés par l'argent au point qu'ils ne traduisent pas le savoir qu'ils ont acquis dans leur pratique. La course derrière l'argent l'empêchera de gagner son argent d'une manière licite. Alors qu'il sait le savoir qu'il a acquis, lui dit qu'il faut acquérir ton argent d'une manière licite. Il ne va pas le dépenser forcément dans ce qui agrée à Allah Azza wa Jalla. Alors que le savoir qu'il a eu, il lui a dit, voici comment tu dois dépenser ton argent pour qu'Allah Azza wa Jalla soit satisfait de toi. Et parfois, il peut même donner une fatwa, même s'il est un savant, il peut donner une fatwa qui va à l'encontre de ce qu'il a appris de son propre savoir. Et rendre licite ce qui est illicite par les textes. Ou rendre illicite ce qui est rendu licite par les textes. Pourquoi tout ça? Pour gagner de l'argent. Ou parce qu'il a une source d'argent qui vient d'une région et je ne veux pas que cette partie-là, que ces gens qui me donnent l'argent soient... ne soient pas satisfaits de moi, donc je vais aller dans leur sens, et pas dans le sens de ce que dit la religion. Combien on entend ça et là, soit des pseudo-savants qui sortent et qui disent « riba c'est halal, il n'y a pas de problème, riba allez-y », qui disent que tel habit, ma manière de s'habiller de cette manière-là n'est pas une obligation, qui est ceci, qui est cela, et vous trouvez souvent qu'il y a forcément une course derrière la richesse, derrière leur décision, ou une peur d'un mal, qu'ils craignent, alors que normalement, lorsqu'on veut transmettre ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, ou ce que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, normalement, on ne doit craindre en ceci que Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les désirs aussi, qui écartent le croyant de la traduction de ce qu'il a appris, c'est l'ostentation. C'est le fait de courir derrière les remerciements des gens, la reconnaissance des gens. Tout ce qu'il cherche, c'est la reconnaissance des gens à son égard, et non pas la reconnaissance divine. Et c'est pour cela qu'il va dans leur sens, même si ça va à l'encontre de ce que dit la religion. Il fait des choses, mais il ne les fait pas pour Allah Azza wa Jal. Il les fait seulement pour que les gens l'applaudissent, pour que les gens vantent son mérite. Et là, c'est le petit associationnisme, c'est shirk al-khafi, c'est l'ostentation qui fait abolir les récompenses qu'on était censé recevoir de Allah tabaraka wa ta'ala. Et justement, pour se protéger de ces écarts-là et de ce piège satanique, nous devons tout d'abord connaître les dégâts qui sont conséquents à l'écart qu'on risque d'observer entre le savoir et la pratique. Qu'est-ce qu'on encourt devant Allah Azza wa Jal si jamais on ne traduit pas notre savoir en une pratique? Et deuxièmement, il faut toujours prendre exemple sur les grands savants qui œuvraient dans le bon sens et qui ont fait preuve d'une abnégation et d'un travail religieux exemplaire. Parce que combien de fois on trouve des gens dont la parole ne concorde pas avec les actes?
Ils disent ce qu'ils ne font pas et ils font ce qu'ils ne disent pas. Abu Darda radiallahu anhu disait à juste titre, ce que je crains le plus le jour du jugement, c'est que Allah Azza wa Jal me convoque devant tout le monde, au vu de tout le monde, et qu'il me dise « Ya Uwaymir » et que je lui réponde « Labbayka, ô mon Seigneur » et qu'il me dise « Qu'as-tu fait de ce que tu as appris ? Qu'as-tu fait de ce que tu as appris ?» Tu as appris énormément de choses de ton, du prophète. Il vous a enseigné énormément de choses. Qu'as-tu fait de ce que tu as appris ? Il dit « C'est ça ce que je crains le plus. » Il craint d'avoir un écart entre ce qu'il a acquis et ce qu'il a fait. At-Tirmidhi rapporte sur Ibn Kabsha al-Anmari qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Il y a trois choses sur lesquelles je jure. » Et c'est un hadith qui est long, mais ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie de ce hadith. Jusqu'à ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Il y a quatre personnes dans la vie d'ici-bas. » Il y a quatre catégories de personnes dans la vie d'ici-bas. « Un serviteur à qui Allah a donné de l'argent et de la science. » Et ça peut exister. Avoir la science et l'argent. Allah Azza wa Jalla peut le donner. Et ça, c'est un bienfait au-dessus d'un bienfait. Avec cela, c'est-à-dire avec cet argent et avec cette science, il craint Allah. Il maintient ses liens de parenté. Ça veut dire qu'il dépense de son argent pour maintenir les liens de parenté. Lorsqu'il y a dans sa famille des gens qui sont dans le besoin, il est là pour les soutenir. Il est là pour partager avec eux. Donc cet argent, il ne le garde pas que pour lui-même. Avec cela, il craint Allah. Il maintient ses liens de parenté. Il sait qu'Allah a un droit dessus, a un droit sur cet argent qu'il a acquis. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-ci est dans les meilleurs degrés. Parce qu'il a bien utilisé son savoir, il a bien traduit son savoir et il a bien géré son argent. Ensuite, il a dit, deuxième catégorie de personnes, c'est un serviteur à qui Allah a donné la science, mais il ne lui a pas donné l'argent. Mais il a une intention sincère. Pour autant, il a une intention sincère. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Ça veut dire comme la première personne. Si j'avais de l'argent, je l'aurais dépensé, fils Abiyla, j'aurais suivi les pas de mon père. C'est-à-dire de mon père, P-A-I-R. Ça veut dire la personne qui a eu l'argent et la science. Il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel. Ainsi, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi avec son intention, il est dans la récompense égale au premier. Il est dans la récompense égale au premier. Même s'il n'a rien fait de l'argent parce qu'il n'y avait pas, mais au moins il avait une bonne intention qui l'accompagnait. Troisième catégorie, c'est un serviteur à qui Allah donne de l'argent, mais ne lui donne pas de science. Il a l'argent, mais il n'a pas de science. Il dépense de son argent sans science. Ça veut dire qu'il dépense son argent d'une manière non conforme à ce que dit l'islam. Et il l'acquiert d'une manière non conforme à ce que dit l'islam. Avec cet argent, il ne craint pas Allah. Il ne maintient pas les liens de parenté. Il ne sait pas qu'Allah a un droit dessus. Celui-ci est dans le plus mauvais degré. Et ensuite, une quatrième personne, un serviteur à qui Allah n'a donné ni argent ni science. Et malgré ça, il dit, si j'avais de l'argent, j'aurais certes agi comme un tel, comme la troisième personne. Ça veut dire, j'aurais dépensé cet argent d'une manière illicite. Et je l'aurais même gagné d'une manière illicite si j'avais la capacité de le faire. Ainsi, avec son intention, il est dans le péché égal au précédent. Donc vous voyez qu'à travers ce hadith-là, qu'est-ce qu'on tire comme leçon ? C'est qu'il faut faire partie des deux premières catégories de personnes. Avoir le savoir et l'argent, et à défaut, avoir au moins le savoir. Mais jamais faire partie des deux autres catégories, ça veut dire ne pas avoir le savoir, avoir l'ignorance. Même si on a l'argent, ça ne sert absolument à rien. Chers frères et sœurs, un groupe d'esclaves est venu voir Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Ils lui ont dit, oh Al-Hassan, nous savons que tu as de l'influence sur les gens t'écoutent. Est-ce que tu peux consacrer un prêche du vendredi pour parler des mérites de l'affranchissement des esclaves ? Il leur a dit, Inch'Allah, je vais le faire. Il est venu le Jumu'ah d'après et il a parlé d'un autre sujet. Le deuxième Jumu'ah, il a parlé d'un autre sujet. Et le troisième Jumu'ah, c'est là où il l'a consacré à parler des mérites de l'affranchissement des esclaves. Et tous les gens qui étaient présents au Jumu'ah et qui avaient des esclaves, dès qu'ils sont sortis de la mosquée, sont partis chez eux et ils ont affranchi tous leurs esclaves. Ensuite, ces esclaves libérés et affranchis, sont venus le voir pour le remercier. Et lui ont dit, on te remercie pour ce que tu as fait.
Mais on a dû t'attendre 3 semaines durant avant que tu nous parles de ce sujet. On aimerait bien savoir pourquoi tu as tardé autant. Et Hassan al-Basri de leur dire, j'attendais qu'Allah Azza wa Jal me donne du rizq. Voilà, j'avais pas assez d'argent. J'attendais qu'Allah Azza wa Jal me donne du rizq. Et dès qu'il me l'a donné, je suis allé acheter un esclave et je l'ai affranchi. Et ce n'est que là où j'ai accepté de parler de ce sujet sur le minbar. Parce que je ne veux pas parler de quelque chose que je ne pratique pas, que je ne traduis pas dans ma pratique quotidienne. Regardez comment les savants avaient peur de parler de ce qu'ils ne font pas ou de faire ce qu'ils ne disent pas. Soufiane Thaouri disait, jamais je n'ai appris un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans avoir accompli ce qu'il y a dedans, ne serait-ce qu'une seule fois. Alors jamais une information ne m'est venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il incitait le musulman à faire du bien. Supposons, prenons un exemple. On a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les anges viennent à la mosquée. Le jour du vendredi, les anges viennent à la mosquée, très tôt. Et ils ouvrent leurs livres. Et ils commencent à inscrire les premiers arrivés à la mosquée, ceux qui sont venus très tôt à la mosquée. Et il dit, ça c'est les premiers. Ils auront la récompense de quelqu'un qui a donné en aumône un chameau. Ensuite, ceux qui viennent après. Et ils leur inscrivent la récompense de celui qui a donné comme une vache. Et ainsi de suite, jusqu'à celui qui vient le dernier, avant que l'imam bien entendu ne rentre, comme celui qui a donné un œuf. Et dès que l'imam rentre, les anges ferment leurs livres et ils s'assoient pour entendre le dhikr. Ça c'est un hadith authentique, on le connaît tous. Et chacun de nous a entendu à ce hadith-là. Combien de nous ont pris la peine, lorsque le temps leur permet, de venir justement très tôt, parce que le prophète, lorsqu'il dit ce hadith, qu'est-ce qu'il veut dire par ce hadith? Il est en train de nous faire perdre notre temps ou quoi? C'est qu'il est en train d'inciter et d'exhorter les musulmans à venir le plus tôt possible à la mosquée et de se débarrasser un petit peu de leur charge de travail autant qu'ils peuvent pour venir très tôt à la mosquée. Et donc quelqu'un qui est lucide, il va dire ce hadith-là, je dois l'exécuter, ne serait-ce qu'une fois dans ma vie. Et pourtant, vous avez des gens, même s'il est libre, même si c'est les vacances, même si kada, c'est la dernière minute qu'il va venir à la mosquée le Jumu'ah. Ce hadith-là, c'est comme si ce hadith n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Et pourtant, regardez comment les gens voulaient traduire ce qu'il y a dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le mérite de venir à la mosquée pour réciter le Coran ou s'asseoir pour étudier le Coran. Et toute personne, tout groupe de personnes qui se réunissent dans une mosquée, qui lisent la parole de Dieu et qui l'étudient entre eux, la sakina descend, les 4 choses que vous connaissez tous. Et pourtant, certains ne viendront jamais. Sous certains prétextes qui n'existent pas. Ah non, mais je ne veux pas entendre telle personne parler du Coran parce que ce n'est pas une bonne référence pour moi. Et pourtant, le Jumu'ah, il vient l'écouter. Et dans un autre sens, non, je ne l'écoute pas. Contradiction. Contradiction. Et le jour du jugement, c'est quoi l'excuse? Donc, voilà comment les gens traduisaient ce qu'ils ont appris du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour au moins, c'est ça le vrai respect au prophète. Respecter le prophète, c'est pratiquer et exécuter ce qu'il a dit dans ses hadiths. Le Hassan al-Basri disait, jamais un homme à notre époque n'apprenait le savoir sans que cela n'apparaisse dans sa manière de regarder, dans sa manière de marcher, dans sa manière de toucher, dans son ascétisme et dans sa manière de se concentrer dans sa prière. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran nous a donné un exemple sur ceux qui ont acquis le savoir mais qui ne l'ont pas traduit dans leur pratique. Et il a cité l'exemple de certains gens de Banu Israël à qui Allah Azza wa Jal a donné la Torah dans laquelle il y a la science et qui n'ont pas traduit ce qu'il y a dans la Torah. Dieu dit à cet égard, ceux qui ont été chargés de la Torah mais qui ne l'ont pas appliqué sont pareils à l'âne qui porte des livres. Il porte des livres où il y a du savoir, mais l'âne, ce n'est pas ce qu'il y a dans les livres. Et c'est exactement le cas de toute personne qui porte pas, que ce soit la Torah ou qui porte le Coran, mais il n'exécute pas, il ne traduit pas ce qu'il y a dans ce Coran. Et sur cela, Ibn Qayyim rahimahullah a dit, Allah Azza wa Jal a donné cet exemple concernant ceux à qui il a donné le livre, et Ibn Qayyim ici a parlé du livre, quel qu'il soit, dès qu'il s'agit d'un livre venant de Allah Azza wa Jal. Il a donné le livre pour que la personne le médite, pour que la personne exécute les décrets qu'il y a dedans, pour qu'il appelle les gens à la pratique de ce qu'il y a dans ce livre-là. Mais malgré cela,
cette personne ne s'est intéressée qu'à apprendre par cœur ce qu'il y a dans le livre, qu'à mémoriser ce qu'il y a dans le livre, sans le lire avec méditation, sans s'arrêter devant ses décrets, sans suivre tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a instauré dedans. Il les a comparés à un âne qui porte des tonnes de livres et qui ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ce que tire l'âne des livres qu'il y a sur son dos, c'est exactement ce que tire cette personne de ce qu'il a appris du Coran. Elle ne tire absolument rien. Et Allah Azza wa Jalla dit à ce propos, « Ya ayyul ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun » « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ?» C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à cette ruse satanique par laquelle nous sommes tous touchés, sans exception. Sans exception. Où Satan essaye justement de nous piéger pour qu'on ne traduise pas tout ce que nous apprenons de notre religion. Et pour qu'il y ait un grand écart entre ce que nous apprenons et ce que nous faisons dans notre quotidien.